Vous deviendrez coupable de n'avoir pas su nous combattre. Et peu importe si aucun de ceux qui vous accableront n'aurait pu faire mieux à votre place. Alors faites front tous ensemble. C'est votre intérêt personnel et c'est le nôtre. Tel est le message qu'adresse un groupe d'assassins aux autorités après avoir commis une vague meurtrière qui a emporté aux quatre coins de la France 5 personnes absolument étrangères les unes aux autres. Œuvre hybride, tout autant en roman noir que plongée dans les strates de la société française, conjuguant second degré, critique sociopolitique et art de l'intrigue, Les 5 doigts de Dieu n'y vont pas de main morte compte parmi les premières œuvres de Claude Pic, plus connu sous le pseudonyme de Cicéron Angle Droit. Banlieusard de toujours, il observe et se contente de retranscrire ce qu'il voit en imitant toutefois des couleurs mêlées d'humour et de cynisme.